Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. En 2013, une jolie blonde fait son apparition dans The Voice, Sophie Tapie, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, pousse jusqu'au battle avant d'être éliminée. Elle décide alors de s'exiler pour échapper à son patronyme trop lourd à porter dans l'Hexagone. Car elle est la benjamine des quatre enfants de Bernard Tapie et en France, explique-t-elle ce jeudi dans Gala, on n'aime pas les filles et fils de, c'est comme ça. Guillaumet. Au Canada, elle trouve sa place, sans difficulté, sans avoir à se justifier. Il en résulte qu'au lieu de se réjouir, elle se braque. Je me suis mise à complexer. À culpabiliser d'être la fille de Bernard Tapie. À une époque, je devenais même agressif quand on me parlait de lui. J'avais le sentiment que seul comptait ce que j'avais à dire à son sujet. Alors que j'essayais de me faire une place en tant qu'artiste. A-t-elle confié. Sophie Tapie reconnaît que sa relation à son père a été compliquée par les regards extérieurs, mais elle a désormais jeté aux orties tout ce qui l'encombrait, à force d'entendre qu'il était écrasant. J'ai fini par y croire. Puis, il y a à peu près un an, je me suis dit, merde. C'est trop con, c'est ainsi qu'est venue l'idée de la chanson Le Phénix, un texte écrit avec la plus grande sincérité. Sur lui, pour lui. Avec cette chanson, Sophie Tapie tient à montrer à celui qui se bat depuis plusieurs années d'un double cancer de l'estomac et de l'ésophage qu'elle est là à ses côtés. Je veux lui faire plaisir, lui donner de la force. Inconsciemment, je veux peut-être aussi lui rappeler tout ce qu'il a accompli. Mon père a eu un parcours de vie extraordinaire et là, il est dans un combat de vie extraordinaire. Mais elle reconnaît avec sincérité que l'ancien dirigeant de l'OM est malade. Très affaibli, il ne va pas de mieux en mieux. Toutefois, la jeune mariée qui a épousé Jean-Mathieu Marinetti l'été dernier semble sereine. Quelle que soit l'issue du combat du patriarche qui a reçu son cadeau avec beaucoup d'émotion. De mon côté, j'ai l'impression qu'enfin, grâce à cette chanson, tout est dit, explique-t-elle.